Voici mon tataki de bœuf au soja et légumes croquants. Voici les ingrédients que j'ai besoin pour cette recette. Tout d'abord, je vais faire mariner mon pavé de bœuf environ 2 heures dans du soja sucré. Une fois que c'est bien mariné, je vais snacker le pavé de bœuf des deux côtés. Pendant ce temps, je vais préparer ma salade croquante avec un filet de jus de citron, d'huile d'olive. Je vais bien mélanger, je vais ajouter une julienne d'endives rouges pour apporter de la couleur et du croquant. Ensuite, je vais faire la même chose avec une endive blanche. Je vais bien mélanger avec un assaisonnement léger, le mettre au centre d'une assiette creuse et couper finement mon tataki de bœuf. Je vais le décorer et dresser au centre, bien en éventail. Je vais ajouter un peu de verre de cébette pour apporter du croquant, des lamelles de truffe, un trait de vinaigrette aigre doux et de l'huile.